Yepa, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impec. On se retrouve pour le sixième épisode de la carrière. Donc, dans cet épisode, on va jouer face à Reims, face à Bastia et peut-être Lorient. Oui, on jouera face à Lorient une mi-temps. Sinon, on sera fatigué face à Montpellier. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. Ça fait plaisir. Ça m'encourage à continuer. Même si j'aime bien ça, donc on joue face à Reims, à l'extérieur, on va essayer d'aller chercher un résultat. On est en mauvaise forme. Donc on est parti. Le Gazélec qui est en grande forme, en V. Ils ont gagné leur deuxième match. C'est pas très bon pour notre club de cœur, mon club de cœur qui est 19e. Le Gazélec qui en vrai peut croire au maintien. Hein. Putain, on dirait Reims c'est le Barça quoi. Ils font tellement tourner. On dirait qu'ils cherchent le match nul. Et nous, on presse pas. Ils pressent pas les joueurs. Bien joué là. Tu le dégages. Tu vas te prendre un carton, mais c'est ça qu'on aime. Allez, on va jouer en individuel. Ah oui. Oh mais c'est quoi cette passe gros? Oh là là, ce centre qu'il a fait, c'était du n'importe quoi. Allez, on part en contre-attaque. Oui, bien joué devant. Allez, oui. Oh, ça c'est magnifique. Oh mais pourquoi je la contrôle comme ça? Mais quel idiot! Oh non. En attaque en plus, c'est dommage, hein, mais c'est pas fameux quoi. C'est des vieilles attaques. Eux, ils font tourner le ballon. Bon ben voilà, c'est la mi-temps, il y a 0-0. Bon, on est un petit peu dominateur, je pense. Même si eux, ils font tourner, nous on attaque sur des contre-attaques, quoi. Ah non, on ne domine pas en fait. 67-33, mais on dirait plus tard pour, on dirait pourtant on attaque plus, mais apparemment on n'a pas le ballon. Oh ouais, ben vas-y, gênez-vous. Allez, allez. Oh, on avait tenté la frappe, mais ça n'a rien donné. Il y a faute, bien sûr qu'il y a faute. Allez, tire. Oh non! Oh, elle était magnifique si elle rentrait là, la petite volée. Oh non! Allez, oui, on est passé. Oh mais non! Putain, on a eu deux occasions coup sur coup et on n'a pas réussi à les mettre. Ouh, les petits ponts! Oh, genre, il y a faute, 3 heures après, quoi. On va se prendre un carton. Voilà. Défense de malade, carrément, le type. Oh, ça y est, lui, on voit qu'il veut le match nul. Hein. On va s'en prendre un, surtout. Il va voir si on va avoir le match nul. Hein. Mon joueur, il est complètement mort. Il est à l'agonie. Oh, ça dégage en panique et tout. Oh, lolo. Et voilà, je sors, oui. Allez, c'était sûr, là, avec plus de joueurs, je n'ai rien. J'espère qu'ils vont avoir tenu ces 10 minutes à 0-0. Ça serait plutôt correct. Hein. Vu ce qu'on a fait, on n'a jamais touché le ballon. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voyons ça. Ouh, défaite 2-0. Mais c'est quoi cette merde là? Il reste 10 minutes et on perd 2-0. C'est une honte ça. Je comprends jamais ce qui se passe avec ça. Rectifier le tir. Je dois davantage se maîtriser sur le terrain. Une suspension n'est pas un fait à venir dans ce club. Ouh là, je crois que je vais être suspendu. Aïe aïe aïe, c'est dur, c'est la crise. Donc on va faire les entraînements et on se retrouve de suite après. Donc voilà, j'ai choisi les exercices à faire. Donc j'ai pris frappe de loin, passe précise, parcours de dribble, tacle glissé et penalty. Donc voilà, on a fini les résultats. J'ai eu un A en frappe de loin, A en frappe précise, en passe précise, F en parcours de dribble, ça c'était chaud. Tacle glissé en A et penalty. Ah, c'est nickel. Donc on va avancer jusqu'au prochain match en espérant être retenu. Tu n'as pas été retenu. Oh non! Oh là là, c'est quoi ça? Oh aïe aïe, voyons si je suis pas fatigué, mais en principe, j'ai eu le temps de me reposer. 100%. Oh, et je suis numéro 2 durant ça, c'est parce que j'ai fait une mauvaise performance avant, je pense. Hein. Oh non! Ils vont perdre en plus, je le sens. Et voilà, 2-0. Oh non! Oh là là, c'est dur. Ou c'est parce que j'étais suspendu, je sais plus, dites-moi.
Je me souviens plus. Bon, lui, il est blessé, on s'en fout. Ah ouais, j'étais suspendu. Oh, c'est dur. Bon, mais du coup, on va faire le match face à Lorient en entier. Bon, on est parti, let's go. Je pense que je vais jouer le match en entier, comme j'avais dit. Même s'il y a Montpellier derrière, parce que sinon, ça fera que un match et demi, ça fait un peu l'escroc. On verra bien. Donc, on se retrouve pour les meilleures actions. Bah, oui. Allez, on peut le faire. Je suis sûr qu'on peut gagner quand même. On a perdu deux matchs là dans cette vidéo. Oui, on a perdu deux matchs. En simulant la simulation qui nous avait perdu deux matchs. Voilà. Lorient qui a une bonne équipe en plus, hein, avec Guerrero, Mukanjo, Waris même. Abdoula, c'est pas mal aussi. Attention! Oh là là! Oh là là! Et voilà. Le mercato approche en plus. Dites-moi si je dois quitter ou pas ce club. Même si je vous reposerai la question la vidéo prochaine. Je pense que ouais, faudra que je quitte. Moi, j'ai envie de quitter le club, mais après, c'est selon vous. Allez, allez, cours, cours. Fais le plus gros sprint de ta vie. Eh ben non, voilà. Fuck. Bien joué là, la tête. Hein. Je débloque des petits exploits en plus. Parfait. Oh mais pourquoi tu frappes? Je suis à côté, toi tu frappes, toi t'es débile. Et voilà, c'est la mi-temps. Encore un 0-0, tout pourri. On a fait 0 tir encore une fois, je crois. On n'a pas la possession pour pas changer. Donc on va regarder ça. Voilà, 70-30. Je comprends pas pourquoi on n'a plus la possession. Mais avant on était à 60-40. On fait plus de tir. On est en défense. Tellement dans cet épisode, je crois, on va jouer défenseur. Hein. On est défenseur presque, on fait rien. Faut qu'on revienne en défense et tout, mais bon. Allez, allez, la contre-attaque, les gars. Oui, ça, c'est bien joué. Oh, ça, c'est bien fait. On tire. Oh, non! Oh, elle était magique, elle était bien partie, mais le bel arrêt du gardien, c'est dommage. C'est notre première frappe du match, tellement. Hein. Allez, la tête. Oh, non! Pas assez puissante et pas assez sur un côté, c'était sur le gardien, c'est dommage. Deux occasions en 2 minutes, c'est la folie. Défendez bien. En plus, si on perd, je sais pas si on sera pas dans la caca, si on sera pas relégable ou quelque chose comme ça, faudra voir. Mais on va chuter au classement, ça c'est sûr. Hein. Allez, oui, oh le contrôle, mon gars, il était magique celui-là. Attention! Ouh là là, bien joué gardien. Heureusement la tête, la frappe pardon, elle était dégueulasse. Hein. Oh là là non! Oh là là, la transversale, c'est de la chatte. Oh, c'est de la chance de fou là. Oh là là, on n'existe même pas dans ce match. Hein. C'est pour dire. Allez, on fait la petite passe là des familles. Remets-la. Oui. On tente la rouler. Ah, mais ça n'a rien donné. C'était dégueulasse. En plus que je suis remplacé, c'est génial. Comme d'habitude, on va perdre, c'est sûr. S'ils reviennent, c'est un exploit. On n'a fait que perdre dans cet épisode, dans cette carrière. Enfin, pas dans cette carrière, mais dans cette vidéo, on n'a fait que perdre. Allez, on a pris 1 plus 1. Ça fait plaisir. On va avancer. Je suis sûr que je ne vais pas être sélectionné. Je vais être trop fatigué. Tu n'as pas été retenu, putain, mais voilà, je sais pas si c'est la fatigue plus le carton ou quoi, mais on n'est pas bien dans cet épisode, on est vraiment en crise. Hein. Ah, on a gagné, ouh là là, 2-1, eh ben dis donc, c'est la folie. Donc, on va regarder le classement, pardon. Ah, on est toujours 13e. On a 18 points avec... 6 points d'avance, ouh là là, l'écart se resserre. Je crois qu'on avait 9 points d'avance sur l'ancien épisode. Paris premier, Saint-Étienne deuxième, Lyon, Marseille. Bon, ça c'est logique. Donc, on va voir contre qui on va jouer aussi la semaine prochaine. Donc, on jouera face à Nantes et Marseille. Et après, on verra si on joue face à Paris ou pas. Parce que là, après Lyon, ça sera la période des transferts. Il y aura des gros matchs en plus, oulala. Donc voilà, dites-moi si je dois quitter le club ou pas, même si je vous le redemanderai la semaine prochaine. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire et à partager, ça fera super plaisir. Sur ce, je vous dis
À plus.